Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ici T-Prince, je vous retrouve après une quinzaine de jours d'absence pour la suite de notre let's play sur Castlevania Lord of Shadow pour l'épisode 10, si je ne me trompe pas. Je n'ai aucun souvenir de là où nous nous étions arrêtés. J'ai fait une petite pause personnelle, enfin, j'ai fait une pause sur YouTube, enfin voilà. Mais je suis là, toujours présent. Je n'ai pas abandonné le let's play, il est toujours là, il est toujours d'actualité. J'ai juste fait une petite pause. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 et on en était où? Pas la moindre idée. Alors là, ok, on avait entamé le chapitre 2. Entrée du sanctuaire, donjon noir. Ça avait été une victoire totale la dernière fois. Bah écoutez, c'est parti pour l'entrée du sanctuaire. Bah allons-y, hein. Bon, très bien. Ah, super. D'accord. Oui, tu me l'as déjà dit, mais par contre, mademoiselle, c'est gentil, mais vu que toi tu sais où ils sont, pourquoi tu vas pas les chercher? Bon, d'accord. Ok. Ça. Ok, bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Là ça monte. Là je ne peux pas. Là si, je peux y aller là. Non? Non, non, je peux pas. Ok, c'est de là d'où je viens apparemment. Très bien. Donc la route serait apparemment par là. Ah c'est pour le. Ok. Ça m'inspire peu l'histoire. Ah, j'en étais sûr. Oh, parade, monsieur. Aïe, aïe. Respecte-moi. À la niche. Tu crois que je fais quoi? Oh.
Donne-moi. Qu'est-ce que c'est? Un papier. J'ai entendu parler des légendes des guerres nécromantiques et de la civilisation avancée des Agarthiens. D'accord. On dit qu'un de leurs titans de guerre gît ici, quelque part. J'espère que le Seigneur Noir ne le trouvera jamais et qu'il n'utilisera pas un de ces béhémotes capables de ruiner des cités entières. Je vais chercher des indices dans la ville quant au lieu où il repose et j'espère trouver un moyen de détruire cette abomination. Oh, une abomination, tout de suite. Peut-être pas poussé. Ça m'inspire peu, cette histoire. Ok, ça passe. J'ai. J'ai besoin de mana. J'ai besoin de mana, j'ai dit. Ah. Bon. Je me gourre toujours de touche. Ah. Bingo. Et d'un. Ok. Oui. Oh, elle va me causer à chaque fois comme ça, là. Ah, elle va être relou, par contre. Si elle fait à chaque fois ça. On laisse pas traîner. Ok, on monte. Il y a quoi derrière là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ah, un chevalier mort. Bien fait de fouiller, il est dedans. Oh, un caillou bleu! Génial. Continuons. Je descends là. Il semblerait. Donnez-moi votre essence vitale. Aïe. Mais je pars. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Belle esquive ça. C'était super bien placé. Couteau. Ok. That's sweet. On va tout fouiller par contre dans cette zone, je vous préviens. On va faire attention partout, on va essayer de regarder partout. Alors déjà, il se passe des choses ici. Ouais. I am au courant. C'est pour revenir ça ou c'est pour continuer? Je peux aller là-bas ou pas? Non. Ça, c'est pour revenir, d'accord. Ah non, pardon, ok, excusez-moi. J'ai essayé de sauter, mais écoutez, apparemment c'est ce qu'il fallait faire. Peace. Oula. Je sais pas du tout s'il y avait des trucs en bas du coup. Ah ok. En train de me dire pourquoi il veut pas sauter. Il n'a pas l'air d'y avoir grand chose en bas à part la mort. Ça m'a l'air d'être une grosse arène ça. Bonjour monsieur. Mais j'ai paré. Ah c'était une imparable. Ça. Ow. Ok. Et d'un. Ah, c'est bon, je l'esquive.
Ah, oh, celle-là, je l'ai mangée par contre. Allez! Mais allez! On va jouer à l'esquive, ça va se jouer à un rien. Non, allez, putain. Aïe, putain de merde. Allez. Eh, je la pars, donc tu la bouffes à un moment, ta parade de lumière. Merci. Je l'ai mangé, mais c'est pas grave. Aouh. Aouh. Allez, arrêtez de me bully. Je suis vulnérable, petit enculé. Tu croyais quoi? Hein? Alors? À moi le power. Aouh! Eh. On se détend tout de suite, garçon. Après, je m'occupe de ton collègue juste à côté. Aouh! C'est faible comme régène. Allez, cette fois tu meurs là. C'est bon. C'est terminé maintenant. Vous m'avez tué une fois. Vous ne me tuerez pas une deuxième fois. Bon, maintenant que cette formalité est réglée, maintenant qu'on a écrasé ces maudits insectes, là. Pourquoi j'ai l'impression que la musique s'est un peu emballée? Du fight? Attendez. Personne n'est revenu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi le jeu essaie de me faire stresser? Je ne comprends pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Écoutez, ce n'est pas grave. On avance. Avançons. Allons voir d'abord derrière nous. Ah bah tiens, parfait. Ok, parfait. Oui, non, mais ça va, tu vas pas me le répéter à chaque fois non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis déjà arrivé au bout? Bah. Ah, il y en a un autre là, d'accord. Ah, ok, je pensais être... Ah, attendez, est-ce que je serais pas de l'autre côté? Bah si. Est-ce que je serais pas baisé? Y a pas d'autre passage. Merde. Ah. Un trolleux. Bonjour.
Au! Je t'ai déjà affronté, toi. Je me souvenais que tu m'avais... Aïe, déjà eu une première fois. J'ai pas de mana, va falloir la faire à la mano, mon pote. Ah, oh, comme par hasard. À moi. Raté. Aïe. On se concentre. Ça passe. Ok, ça s'est explosé. Ah, il y a un chevalier mort ici. Ok. Régène plus important, qu'est-ce que c'est ça? Un parchemin. Ok, récompense de l'énigme. Le peuple d'Agartha a utilisé les gemmes de l'ombre pour alimenter bon nombre de mécanismes. Cette technologie fonctionne encore au niveau des portes de pierre, géantes bloquant le passage à la chambre des titans. Et qui ne peuvent être ouvertes qu'avec l'énergie d'un cristal noir complet. Cependant, je n'arrive pas à trouver le moyen d'y parvenir. Très bien. Et non, je n'y dévoilerai pas la solution. Je ne veux pas perdre des points. Ok, de retour ici donc. Mais du coup, ça voudrait dire que j'aurais raté un endroit, quelque part, quelque chose. Semblerait. On va retourner voir. Attendez. Ça m'intrigue quand même, cette histoire. Où est-ce que j'ai pu rater un gisement? J'ai dû mal fouiller, hein. C'est fort probable. J'ai dû très très mal fouiller pour le coup. Est-ce que là-bas il n'y en avait pas? Si, ça c'était les premiers, d'accord. Oui. Je suis au courant, là-bas il y avait un chevalier mort. Là on pouvait descendre. Ah bonjour, aïe. Coucher, la vermine. Serait-il pas en face là-bas? Si, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas été visiter. Pourquoi? Merci Gabriel. On va aller fouiller là-bas là. Ça m'intrigue. Il y a quoi ici? Un chevalier mort. Il y a quoi? Un papier? Une gemme de l'ombre. Oh! Power! Plus de puissance! Puissance! Génial! Oh oui, en plus ça remplit toute ma barre. Ça c'est cool, on va pouvoir faire masse de dégâts. C'est top. Une poche à couteau. Rien au-dessus. Très bien. Apparemment ce serait l'endroit que j'aurais loupé. Full vie, s'il te plaît, tu permets? Merci. Maintenant on peut jouer. Allez, viens. Cristal noir. Oui, mais non. D'accord. Ah, d'accord. Faudrait que je revienne plus tard. Bon, bah, ce sera sur un...
Ce sera sur un retour. Je ferai un épisode bonus assez court où je vous ferai un montage avec les différents moments où je récupère tout ça. Bon, apparemment, du coup, vu qu'ici c'est réglé. Encore ? Non, c'est juste que la musique s'active toujours à ce moment-là, d'accord. Tic, 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 tic. Allez, on repart. Retour à la porte. Tic. Putain. Faut arrêter la musique, c'est chiant. Ça pète les couilles, la musique. Alors. Oula. Ok. Oui, mais c'est bon, on les a, les cristaux, casse pas les couilles. Normalement, vu que c'est ouvert. Ah, je peux le reprendre. Parfait. Alors. Oui, mais où va le cristal, salope? Où que je dois mettre le cristal? Pas avoir la lumière. Là-dedans, d'accord. Tu veux voir? Là. Si je me gourre pas, ça doit refléter. Non, l'autre côté. Comme ça. Je suis pas sûr. Ah, on va voir tout de suite. Pas tout à fait. Comme ça. Ok. Parfait. Yes, sir. Du coup, voyons voir les compétences. On a 2560. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de cool? Guillotine, qu'est-ce que c'est ça? Ok. L'amélioration, elle coûte 1500. Et là, on a combo direct lourd. On peut en faire jusqu'à 8. D'accord, très bien. Barrière de chaîne. Ok, ça met un gros coup à la fin. Chaîne circulaire. Grosse attaque de zone. J'ai presque envie de la prendre, celle-là. Ouais, on va prendre celle-là. Et on va prendre ça, j'utilise pas très souvent. Par contre, le combo direct lourd, oui. Donc on va le prendre aussi. Voilà. Il me reste 60 XP si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parfait. Victoire! Victoire totale! Victoire, bah écoutez, voilà. Victoire totale, les amis. Écoutez, tout le monde, ça me semble un peu court, mais enfin, écoutez, on fera en tout cas avec un épisode égal à un niveau. Enfin, voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode 10 vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour l'épisode 11. N'hésitez pas à
lâchez un commentaire si ça vous a plu, à le dire, laissez un petit pouce bleu, à vous abonner si jamais, activez la cloche en passant, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Voilà tout le monde, écoutez, à très vite pour l'épisode 11. Ciao ciao tout le monde.